want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Bonsoir. Bonsoir. Yogo, il envoie plein d'amour sur StarCraft et à sa oui. copine. Et oui. Ah, on a dit qu'on passait les gens qui n'ont pas vu notre introduction qualitative. Ah oui. Vas-y, bah rallume Twitter. Hein. Tu l'as. Est-ce que tu l'avais, Nico? Ou pas? On la met sur notre PC au pire. Ah. Ah là là. Bon, bah, si tu l'as, alors on peut lancer pour annoncer les matchs d'aujourd'hui en fait. Ah là là. La qualité est au rendez-vous. Hein. Ouais, c'est double check. On se fait chier pour vous. Az a jalousé de ta voix. Ah ouais? Je pense, ouais. Le meilleur roi de la planète, Underdog. Fletcher, c'est nous qui avons les plus belles games. Je fais Fox. Fuck yeah! Sous Vilnius. Fuck yeah! Berlin. Fuck yeah! Fletcher. C'est vraiment on est vraiment les pires. C'est vraiment aïe aïe aïe. C'est vraiment full fucking singe quoi. Bon, j'espère. J'avoue que sur le fuck yeah, là ça va péter le tympan. Hein. Tu t'es auto-détruit. Ah, faut que j'embête sur Team Liquid. Je me suis mis à mal là. Bah ouais. Qu'est-ce que t'as fait sur Team Liquid? Faut que je pense à embed. Bon, c'est une pseudo reprise de America Fucké pour ceux qui n'auraient pas. Parce que Coca ne connaissait pas la référence. J'étais très 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 déçu. Non, mais ça arrive bien trop souvent. Il y a plus besoin de le spécifier. Une chanson beaucoup trop mythique. Voilà. Non, mais en fait, au moment où je l'ai entendu, je fais ok. Ça me dit un truc, tu vois. C'est mardi. Allez, c'est parti. Sur le best of 5 aujourd'hui, 3 matchs, Shino, Firefox, Soul Spirit, DLS et Abaddon contre Lin. Oh voilà, nous avons pour Orbital Colossus, Firefox. Un peu d'entrain s'il te plaît. Et en bas à droite, il est teamless, c'est Shino. J'imagine qu'il est teamless du fait qu'il n'est pas de tag, hein. Bien entendu, je n'ai pas révisé ma leçon. C'est ça. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Avec les projos et tout. Alors franchement, c'est cool. Ouais, mais regarde. Moi, j'aime beaucoup. Au moment où il y en a un qui prendra la vision sur la base de l'autre, on se mettra dans sa vue. Tu verras, c'est pété, mec. En fait, tu vois le bâtiment avant de le voir vraiment. Structure visible avant le reveal. Mais ça, ouais. En fait, t'avais vu le truc et puis il n'y avait pas le point sur la minimap de comme quoi t'avais vu le ouais. CC. Et c'était pareil quand j'avais scouté une BR. Bon, j'ai fait tiens, je vois le drapeau avant le Nexus. Bonjour. C'est rigolo alors. Hein. C'est de la triche. Donc on est parti sur du ZZ. Voilà, le premier match journée 9-12 avait été donc moi contre Denver qui a été avancé hier. Et qui a été, rappelle-moi, ouais, voilà, c'est ça. Hein. Une pourquoi petite demi-heure. Hein. Petite demi-heure, le 3-0. J'étais là, game 2. Il me disrespecte tellement qu'il va sûrement pull 12. En sortant les drones, j'envoie l'over où il faut. Je jouais drone. Mec, je sais, ce matin j'ai vu un replay de Serral et tout. Je me suis rect. Je me suis fait rect. Ah, ça s'est pas passé comme dans le replay que j'avais vu. Hein. Quand tu sais que tu penses avoir un contre et que tu te fais démolir. Ouais, c'était et que le mec t'envoie un pavé de 10 000 links Skype après pour t'expliquer pourquoi t'es un blaireau. Ouais, non, c'était. Denver le bon pote. En vrai, Denver le bon pote. Non, mais clairement, c'est bon carré. J'ai cliqué deux fois sur le bouton à bon. Ah, merci Xenop 92. Aïe, aïe, aïe. C'est bien. Xenop 92. Alors, du coup. 92, ça fait quel âge là? Ça fait 26 ans. Peut-être. Belle bête, hein. Bah ouais, mais. T'as vu, mec? C'est stupide! T'as vu, mec, comment tu le vois longtemps avant? Mais non! Et puis en plus, ça dépend pas du placement, parce que lui, il l'a pas vu. Alors, ouais, donc si, ça mais dépend du placement. Il l'a vu avant le creep, quoi! Non, ouais. Mais demain, il y a des qualifs WSS avec ça, c'est stupide de ouf! Bon, peut-être que du coup, grâce à ça, je vais gagner la qualif. Hein. Bah ouais! Bah ouais, ça serait vraiment. Je vais passer GM grâce à ça demain, quoi. Bon, il y a mon écran 240Hz qui m'attend à la maison. Ma petite sœur elle l'a reçu, elle m'envoie une photo. Il est sur mon lit là, il attend. Ah, il est sous la couette au chaud. Avec mon nounours collé dans le coin. Et le café, bien. Aïe aïe aïe. Allez, oh, attention, là on a planqué. Refais voir les Erlings là, ce qu'ils ont vu. Est-ce qu'ils ont vu la bannière ou est-ce qu'ils ont vu la hatch, les creeps de. Non, ils n'ont rien vu pour l'instant. Bref, c'est une singerie cette bannière, mais à chaque fois l'anniversaire c'est plutôt singe, hein, soyons honnêtes. Il y a toujours un truc qui couille, hein. Une constante. Oh là, et pour l'instant Firefox est en train d'outplay Serial.
Sérieux, recule-toi, retourne-toi et prends-lui un Zergling. Ouais. Oh. Maintenant, Chino, il a casé plus de drones, mais en face, on a posé la B3, ce qui n'est pas le cas ici du côté. Non, il va se faire pour sa queen. Il y a des Zerglings qui traversent la carte. Hein. Oh là, mec. J'ai très peur pour Chino là. Non, non, ça devrait le faire. Il est en train de mettre ses Banes. Firefox, il... en fait, il n'a pas mis de Battle Banning, donc il va faire la transition sur un TRDK. Voilà, qu'il met dans la base principale plutôt que de tenter à mettre dans le. Plutôt que tenter le diable. Non, Yogo. Oh là 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 là. Non, au-dessus, non, endommagé. Doucement, prends le temps, fais bien les choses. Comment ? À gauche, ça fight. Oh ! Attention, c'est bon. Il y a deux drones qui sont morts là, je sais pas quand. Il y a deux drones qui sont morts. Sur un by de Link's Tit. Voilà. J'imagine bien, Yogo, merci. Bah, tu poses la question, on répond du con. Tu me tues. Aïe, 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 je te love, Yogo, t'es le meilleur bro. Alors, du coup, pour l'instant. Et bien ça fight Lings. On est sur un nombre équivalent de drones. B3. J'ai pas trop compris pourquoi Chino voulait ralentir autant sa B3. Peut-être une question de in-game ou j'en sais rien. Wow, beaucoup de cafards. Souvent tu sais de manière défensive, mais là il semble avoir un petit peu peur. Ou est-ce qu'il veut transformer ça en un timing Fire. Oh, Fox. Oh, le Ling. Le Bending. Ok, il l'a snipé. C'est bon. Ah, là, ça devrait courir peut-être dans la B2 directement côté Chino. Non, on va pour l'instant conserver ses Lings. Gros joue un petit peu avec les Bane. Oh, ça fait peur ça. Oh les cafards. Oh bah quand même, hein, ça détonne pas mal. Non, c'était et puis il est vu en plus surtout. Il est complètement vu là-dessus, Firefox, qui va devoir faire très vite traverser la carte avec ses petits cafards. Les pattes un petit peu ralenties parce qu'il n'y a pas de l'air. Rappelez-vous, pas de l'air pour l'instant, on est sur un push très early game. Très all-in de la part du joueur Orbital Call dessus, si. Mais c'est pas le tout droit, il veut aller attaquer la B3, ce qui fait que c'est un chemin un tout petit poil plus long. Est-ce que c'est un bon call? Ça peut se tenir en fait, faut voir ce qu'il en fait. Mais là, ouais, c'est bien Chino, il a un petit peu plus de drone, il va avoir ses cafards, c'est un peu ric-rac, mais ça va pas tarder. Voilà, ça va se faire à un moment donné. Non, il a de quoi tenir, il va avoir de quoi tenir Chino, hein. Ça va pas être simple, mais normalement il devrait avoir les outils pour. Normalement il devrait avoir les outils, il reste plus qu'à à bien mettre le tournevis dans la. Bah, dans la vis quoi, Yogo. Hein. Oui, oh, oui. Petit spray. Attention. Oh la queen. Ouais, la queen. Ouais, elle s'est fait massacrer la gueule. Allez hop, faut choper les unités une par une, hein. Essayez de bien choper les opportunités côté Firefox ici, Chino qui défend très bien, des links qui arrivent au contact, les queens qui DPS beaucoup, j'ai l'impression que ça passe pas pour l'instant pour le joueur violet, on est en train de continuer mais se prendre dans son all-in. Hein. Il a pas arrêté les unités, hein. Il continue, pas de drones qui sont passés à la barre des potrods. Et alors il y a eu une chambre d'Evo. Je sais pas pourquoi faire. Bah c'est pour. Non, côté Firefox. C'est pour la transition, tu vois, ouais. Au moment où tu t'arrêtes, tu la balances, tu tires un petit peu de wall. La transition, Yogo. Bah, pour l'instant, la transition, c'est faire plus d'unités pour éviter de se faire bourrer. Ouais, hein, bah je crois que. Mais Chino, il a le bon call, hein. Il a refait des drones. Ouais, et là, il est en train de faire peur. Genre, il est tellement. Il joue bien Chino là. Mais ouais, non, c'est excellent. Et il est en plus masse, tu n'en banques. Pour moi, il est large. Ouais, il est largement devant dans cette game. Il faut juste faire gaffe là, quand même. Ouais. C'est le moment où tu dois faire demi-tour. Évite de te faire bouffer par les Zerglings. Voilà. Genre là, ça. Nah, oh là, mec. Oh là, ça pue le cul. Oh, il est en train de rendre sa gamme là, non? Oh, mec, c'est le yo-yo pour l'instant. Parce que du coup, en termes de larves armées, c'est dégueulasse. Hein. Ah, c'est la poilistan là. Mais oui, il y a plus de larves. Hein. Oh, mec. Ah, bah, si, cafard. Ça sera tout pour Chino pour défendre. Oh, comment il a balancé sa game. Après c'était un call compliqué de se dire oh là il y aura beaucoup de. Bah fallait te faire bitou, enfin tu sais que le mec il va faire des Zerglings, hein, surtout quand tu le mets en panique, tu montes pas la rampe, tu pars direct. Bref, là il y a des Zerglings qui sont en train un peu de forcer avant que les cafards arrivent, c'est qu'il faut faire vite. Oh mon dieu, il y a trop. Il y a beaucoup ici. En plus on est en Zerg, hein, ça va sortir des 3H, ça va être un petit peu spread et ça va se faire choper à la sortie des cocons directement, les drones qui sont en train de fight. On peut en perdre quelques-uns, on a un avance économique qui est considérable. Ici une première spine qui se terminera pas. Attention, est-ce que ça tient? Ah, Yogo! Le boulot, ici des aiguillons, hein, qui est effectué. Igloo. Mais ouais. Et par contre, il a perdu tous les drones qu'il avait d'avance, hein, donc voilà. Bah ouais. Il va falloir tenir. Et il est pas mal, mec, c'est le yo-yo cette game. J'ai l'impression de faire un cast naze là. Et il va la lose! Et non, finalement, il va la gagner! Et évidemment, il va la lose! Ah, regarde-moi en même temps ces individus là qui se rendent la game, comme tu le disais. Le tir des cafards qui explose devant, ça va être un très bonne récupération plutôt de la part de Firefox. Oui! Oui, poulet, voilà, hésite pas, voilà. Allez, maintenant tu vas prendre la B3 que t'as mis l'eau, déjà. Elle est mid-life, hein, si, voilà, un petit tier life, tranquillement. Alors certains diront un quart même. Toujours est-il que. Oh, l'Espagne. Là, tu les bois. Débile, hop. On n'est plus à Valence, l'Espagne. Oh, c'est pas drôle. Oh, man. Non. Oh, c'est mauvais. Oh, c'est sauté KLS.
Bah ouais, t'es pas petit avec une grosse barbe quoi, tu peux pas. Oh merde. Aïe. Ah il se bouffe les billes. Non. Bill Gates. Oh non, 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 non. Allez, c'est bah, allez. C'est allez, merci on de est quitte, hein. Allez, voilà, on est quitte. Allez. Tu paieras un grec, hein. D'accord. Ouais. Pourtant, regarde pas qu'à 2000. Ah, c'est de la bagnole. Non. De quoi ? T'as pas la référence ? Non, j'ai même pas. Oh, non, j'ai pas compris, c'est pas une histoire de référence, j'ai pas entendu le français là. Quitte. On est quitte. Ah oui, d'accord. C'est la voiture. Très bien. Très bien, cette très bien. Soirée va être longue pour vous, on s'en excuse par avance. On est que sur la première game, c'est déjà n'importe quoi. Voilà. C'est déjà. On a eu un pré-show compliqué. Hein, oui, non, c'est... entre Cosby et mes games de mort. On est devenu con. Et attention, ici, on va y aller. Au niveau de la B3, on n'a pas réussi à la descendre. Hein, mais c'est marrant cette game. On serait à la 4ème minute, je dirais bah ouais, logique. Ouais, non, ouais, non 22 minutes à 10 minutes. De... Enfin, 22 drones à 10 minutes de game. On dirait du Wings of Liberty, quoi. Hein. Ouais. Clairement, clairement. Attention, il y a eu un bon run-by de la part de Shino qui a envoyé ses lignes across map et donc du coup qui va forcer Firefox à revenir en arrière. Wow, 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 wow. Hein. C'est la petite place de quart de finale, hein, comme d'habitude, qui est en train de se jouer sur... Il y a des sous sur le quart de finale ? Non, mais ils sont après, voilà. Bah, c'est l'auto-qualif quand t'es en quart de finale, non ? Yes aussi, bah ça c'est cool, hein. Ça c'est cool. Hein. C'est le premier round qui est éliminatoire. J'en fais les frais à chaque fois. Là, on a le run-by de Ro, enfin de Link, sur les drones qui est. Oh là là, il pourrait tuer la game. Lui, il va tuer la game, même peut-être bien. On le descend à 15, mais c'est énormissime. Sachant qu'en face, on est en train de payer un truc sacrément cool qui est le plus simple, qui a été annulé. Bah, après avoir fait ses dégâts Laiko, j'ai envie de dire investi ouais, sur ouais. des units plutôt. Ouais, non, c'est, ça se tient. Oh se tient, merde, il lui a tué 16 drones sur 27. Quoi. Ça fait une bonne stat quand même. Bonjour! T'as plus de thunes. Yogo, je crois que j'ai cassé un truc. Je vais te défoncer. C'était déjà cassé. Désolé. Je te prépare, ok, pour septembre, quand t'auras un gamin qui va tout avaler, tout chier, là. Non. Et bah, je fais pareil, ok ouais. Dis-moi merci, quand Désolé, j'ai cassé ton porte-souris. Bon, oh, qu'est-ce qu'elles font, là, ces vieilles queens, là? Bah, c'est l'all-in, c'est l'all-in, c'est l'all-in, c'est l'all-in. Oh là, Bill. Attention, allez, tu billes comme un gros sac dans les cafards. Ouh, ça les croque, ça croque, ça croque, la bille qui tombe. Oh, la bille qui tombe. Non, non, les Ravagers qui pourra faire la différence ici. Sur les 11 drones, sur les 11 drones. Oh, la bille. Non, oh, les billes. Oh, dur. Oh, mais. C'est game de l'infini. Oh, mec, c'était une bonne game. Et attention, attention, attention. Il y a plus d'aiguillon. Y a plus rien. Y a plus rien, y a 18 de pop à 47. Non. Oh, regardez. Et du coup, il a vraiment eu raison d'annuler son round d'attaque. Hein. Ouais, parce que sinon. Mais ça en fait, il y avait tellement plus de drones qu'il aurait presque pu abandonner sa B3. Bon, après, je sais pas combien de temps il aurait gagné avec ça, mais. Oh, les Ravagers qui font le boulot. C'est OP. Il y avait que 20 pop d'écart. Hein. Genre, ouais. C'était pas. Ah non, la fight, elle a pas été close. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible pour Shino. Oh, ça me donne envie de daber. Voilà, tiens, je dab. Hop. Oh, c'est terrible. Ah là 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 là. Quelle sorte de score. la vanne de merde quoi. Ouais, elle était pas folle hein. Non. C'était non, quoi déjà ? C'est pas ouf. Ah, l'Espagne. Ah oui, oui c'était vraiment moyen. Hein. La merde. On peut le dire, on peut le dire. Voilà, ça arrive quoi. Ah là 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 là. Je repense au petit bonhomme de Cosby. Pichinette, ça aurait été marrant aussi. Est-ce que tu penses qu'il peut grossir? Parce que si on fait ça, tu sais, il le grossit, il fait pfff, comme ça, il genre, il arrive en plein écran. Ouais, genre, tu le fais le gros. C'est plus dur, Cosby, ça. Mais il va tout prendre en fait, il va pas passer à travers. Ah oui, des fois, il grossit, mais tu vois, genre, pas partant du centre, tu es comme un paint, il va grossir que sur un côté. Ah bon du coup, ça fait... Bah non. Je sais pas, non. D'accord. C'est grave drôle. Allez, on pourra essayer à la prochaine pause, Cosby. Parce que là, la game numéro 2 sur 16 bytes est en train de partir. Ah, l'une des games les plus ouf qu'on ait eu depuis bien longtemps en termes d'intensité, de revirement. Ah, c'est vrai de situation. Que c'était plus intense que le quart final de hier. Yogo habitué, hein, habitué du no match en compétition. Hein. Soit il le donne, soit il le prend. Toujours est-il que depuis l'OGSL, il n'y en a pas beaucoup donné. Hein, Yogo. Star Escape 0-14, Valencia 0-4, Underdog 0-3.
Je qualifie. Hein, ouais. Fantasma 2-1. Je casse le bureau de cast. Ah, là, là, là. Ah merde. Allez, on peut aller une game ou pas là? Waouh! Cosby! Waouh! Quoi? Cette folie que tu es. Tu es imprégné de folie. Je te fatigue. Moi j'ai non, pas eu va. Le petit tu gâteau, j'ai l'impression. Peut-être qu'il fallait faire une game sur le jeu. C'est poteau qui pisse des arcs-en-ciel. Incroyable. Est-ce que je peux finir de le casser ça ou pas du coup? Ça sert à rien. Ça te frustre de pas finir. Vas-y. Que le travail soit bien fait. Ouais. Tu vois. Non mais regardez, il y a un petit bitonio là. Bon, je l'ai déjà un peu abîmé, autant le terminer quoi. T'es sûr de toi hein? Si ça te fait plaisir. Ça te permet de te calmer pendant les 15 prochaines secondes, je prends. C'est pas sûr. On peut passer une game. Les bêtises, ça a tendance à m'exciter un peu plus encore. Ouh, il y a de la poule en face, il y a de la poupoule. Allez, en bas à gauche, Team Orbital Colossus. C'est Firefox. Et en haut à droite, ici, on retrouve chez nous 13-12. Hein. Yo, les frères du Clem ou du Innosoir, c'est plutôt du Clem. Ils jouent pas là d'ailleurs. Non plus. C'est, on a Soul Spirit DNS. D'ailleurs, comment sont ceux qui jouent pas? Parce qu'il joue après. Ah, il est en demi, ouais, c'est ça. Et on finira avec un Abaddon contre Lind. Par Abaddon. Contre, on aura peut-être du Clem mardi, mercredi sur les qualifs WCS. Voilà. Et du Coca, ouais. Et Innovation, on le retrouve en ladder samedi. D'accord. Peut-être en Kung Fu Cup jeudi, on verra. Ouais. Non, moi jeudi, on fait la clash. Donc peut-être en Kung Fu Cup vendredi. Et. Et prochaine. La semaine prochaine, dans GSL vs The World, ça rogue. Ouais. Il a démoli hier 4-0 en Ravens Cup. Petit Ravens Cup. Ouais. Ravens Cup, il a 4-0 rogue en finale. Bon, après, on s'en est parlé avec Yogo et on s'est dit, bon, rogue en online, ouais. En général, c'est pas foufou. Ça donne pas tout, quoi. Oh, il va masser les lignes comme un schlag. Qui de vous deux a les plus gros bras, les poulets? Oh, c'est Yogo. Mais parce que full gras, hein, full gras. Bah, ouais. Si, en volume, ils sont plus gros, mec. Tour de bras. Tu penses? Mais quand tu durcis, ça change pas beaucoup en fait. Quand tu contractes, le volume il change peu quoi. Je donne l'impression à ma femme que je suis encore un peu fit. Alors que je suis qu'un gros lard. Aïe aïe aïe. Come on. T'as dit quoi? Come on. Come on. Bon, ici on a un 13-12 quand même du côté de chez Chino. Qui. N'a pas encore l'information, c'est normal. Là on va l'obtenir. Genre tard. On est en train d'esquiver les dominants. Bien vu l'artiste. Mmh, on est parti sur un pull first quand même. Oh, y a du... Il semblerait qu'il soit au courant, je ne sais pas comment. Bah, peut-être qu'il a pas vu le deuxième dominant et du coup il s'est dit oh my God, ou alors il s'y attend parce qu'il connaît le loustique. Je pense qu'il a vraiment fait un cri comme ça. Au moins. Bon, je pense qu'il connaît le loustique, hein. J'aime bien cette expression. Il connaît le loustique. Mais personne dit ça. Oh, et le wall est déjà. Je pense que là t'as le subs. T'as la Belgique là. Il est à la Belgique là. D'ailleurs, tu savais où c'est même en fait. D'ailleurs, est-ce que Cosby il est un petit peu mad ou pas pour la Belgique? Parce que dans mon souvenir, il a des petits. De la part des Belges. Ouais, on est d'accord. Ouais, le dégoût. Pourquoi j'ai pas vu la réaction, c'était quoi? Tu t'es dissocié de l'équipe quoi. D'accord. Non, c'était quoi du coup la. Parce qu'en fait Belgique, c'est passé quoi? Les Belges ils ont full ragé quand on a gagné gros. Parce qu'en fait on les. Mais a. Le public, les joueurs ou... Ah les joueurs aussi. Il y a le capitaine, attention, on va se focus sur ça quand même. Yes. Attention, il y a un petit Bane ici qui pourrait faire une belle d'autonation, une Queen qui est tombée, mais là c'est pas une qui est encore full life. Là c'est pas. C'est pas là il peut quitter. Firefox est au courant quoi. Je suis désolé. Mais ouais, grosso modo, il y a Thibaut Courtois qui est le capitaine de l'équipe de Belgique, le capitaine de l'équipe de Belgique, ça, qui a écrit j'ai quitté à la 94e, je voulais pas voir l'équipe de France championne du monde et tout. Il y a eu des tweets comme ça, archi vénère, oh archi là salé là. Quoi. Et ouais, ils disent qu'on a gagné seulement la Coupe du Monde, alors qu'en vrai, comme le dit très bien Varane, il y a des mecs qui ont joué bien plus sale et qui ont gagné la Coupe du Monde historiquement. On se rappellera de l'Italie, hein, bien entendu, en 2006. Qui a gagné 1-0 la totalité de ses matchs. Je crois. J'ai pas une stat exacte. D'accord, je vais pas me sourcer. Mais. Ça, il disait comment en termes de qualité de jeu ou en termes de. Il y avait des petits sauts quand même. Assez... Non, en termes de style de jeu. Il trouvait que c'était on défend et on contre en allant tout droit. Ce qui était vrai et faux en même temps. Quoi. C'est-à-dire, on a marqué sur coup de pied arrêté et sur des contres. Mais en même temps, t'as un petit poulet qui court à 37 à l'heure.
eux aussi ils envoyaient la balle sur Lukaku et Hazard, hein, à ce que je sache, ils ont pas non plus énormément construit quoi, donc bon. Voilà. Du coup je trouve ça tout à fait non avéré, et sinon vas-y monte ton tour de bras. T'as vu, ça bouge pas quand tu contractes, c'est trop drôle. Quel jambon, jambon Yogo. J'ai un muscle construit dans la longueur, tu vois. De mes pieds à ma tête. Ça prend un bout. Mais parle pas de ton sexe comme ça, Yogo, t'es un gros pervers. Il y a des filles qui nous regardent, voyons. Et merci à Parole, bien sûr, qui a réussi pour son deuxième mois tout à l'heure. Bon, en tout cas, Firefox qui se met bien là, pour le coup, il était royal. Ouais, grave de ouf. Aïe. C'est parti, game numéro 3. Et pour l'instant, c'est violent. Ouais, grave, c'est. Derrière, on aura bad. On aura eu deux ZVZ ultra intensifs. Hein. Ah, Yogo, j'adore troller alors que t'as deux fois mon niveau encore pour l'instant. Bon, sur nos dernières rencontres, il y a 2 à 1 pour toi. In game, t'as triché quand même. Comment, mec, tu joues ZR, qu'est-ce que tu me racontes? Le mec, il peut produire 45 lignes en même temps, il a 3 bâtiments de prod. Please, quoi, show some respect. T'es sérieux? J'ai pas atteint le niveau. Salut, il est défendu, il envoie 20 drones. J'ai pas atteint le niveau de jeu où il y avait 30. Salut, j'avais 3 bâtiments. Hein. Salut, il est scouté, il envoie 40 berlings. Bon, il passe dans la game, là, ça me saoule. Oh, à gauche, ici, Shino. La race là, plus OP. Et en bas à droite, pour la team orbitale. Colossus. Il s'agit de Firefox, qui est en train de mind game total son adversaire. Ah là 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 là. Parce que même la game qui win, en vrai, Shino il a l'air du père quoi. Il est en mode alors est-ce que je dois go, ah, elle était violente hein, maintenant, c'est le genre de game très compliqué, tu sais jamais où t'en es dans la partie. Les oh, ça va. Il va balancer une poule là, si on regarde Firefox, il passe à l'agression là. Face à une edge first. Alors en fait, c'est. C'est pas un très bon BO contre Ashford qu'il est en train de faire. Dire. C'est un BO ultra défensif. Ce qu'il fait là? Ouais, c'est un gas pool, mais c'est 16-16. Donc c'est genre... Il l'a fait à 16 sa poule, j'ai l'impression qu'il l'a fait à 14. Peut-être que j'ai de la merde, hein, mais... 16-15, comme ça, mais... Ouais, l'idée, c'est ta gas poule défensif. Ok, d'accord. Et t'as la base qui est posée... Non, t'arrêtes de me contredire, hein, je suis un noob du Zizi. Donc, voilà, c'est... Parce que moi, j'ai vu un gas first, je me suis dit... Oh, maintenant, il y a des joueurs qui font ça pour all-in, mais c'est genre... C'est bah nulissime, quoi. Ouais, c'est ce que m'a fait NXZ, tu vois, où j'ai perdu parce que... Il y a un problème de raccourci clavier. Ah, le dernier 0-2 de Valencia là. Du coup, pour le coup, j'avais vraiment la Belgique. Là, ah oui, là, totalement. Et encore, à l'époque, à ce moment-là, l'expression n'existait pas encore, mais t'avais la Belgique plein le sang. Hein. Ouais. Attends, quoique si, ça existait de la veille. Toi, t'as joué jour 1 à Valencia. Bah oui. C'était pas la finale, mais c'était la nuit était déjà passée. Ouais. Attends. Non, c'était. C'est le vendredi. C'était le mardi, France-Belgique. Ouais, c'était le jeudi. Et toi, t'as joué jeudi, ouais. Donc ça existait déjà l'expression. Mais ça a existé surtout après la finale. Ouais, c'est marrant, c'est rigolo. Voilà, attends, vas-y, je scoute. Regarde l'Overlord qui scoute là. Mais mec, mais c'est fou le retard. Tu vois, pour le coup, bon, il y a le cri parce que c'est Zerg, mais sinon. Après, il disparaît, bon. Ouais, mais. T'as vu quoi. Ouais. Ouais, non, c'est un peu singe. Hein. Coder avec le boule. Coder avec le boule. Ah, j'imagine un codeur qui code avec le boule. Et je peux te dire que c'est pas beau à voir. Hein. Non mais mec, c'est fou le clair. Ben, donc il en fait quoi? Regarde, il a pas... Ah, il va all-in, mais c'est dégueulasse, c'est vraiment puant. Bah mais alors si ça passe, c'est 3-0. Ah, il fait un tiers de direct. Oh, il a rien compris à la game. Shino, le bolos. Le petit bolos. Il est en train de se... Qui est en train de se faire mind game. Je pense qu'il perd un aiguillon. Non. Non, il va faire un vieux bataroach là. Ah. Une autre chambre d'Evo et il va tenter de waller. Alors qu'il va y avoir un bending bust. Lul. Ah, il a pas scouté. Il a pas vu le. Il a vu que la hatch n'était pas une hatch first. Oh non. Oh non. Non. Oh non. Ah. Et là, il peut laver bust. Hein. La chambre des vaux. Tous les jours, tu laver bust. Voilà. Et ça rentre. Oh. Ah. Non. Il y a pas une unité en prod. Ah, il y a même pas d'unité en prod. Utilise l'air, poteau. Comment tu peux? Quoi? Joue aussi gamble, mais mec, il a pull first, prends un ligne, traverser la carte et tu regardes si le mec il a fait des drones ou pas. Il n'y a pas de jouer gamble, l'info tu l'as, qu'il y a un problème.
Alors ça pouvait être un pull first défensif, mais du coup tu check, t'as des links. C'est bon, il a fait une Yogo en versus NXZ, en fait, c'est bon quoi. Tu vois, le truc, c'est ce que tout le monde dit, c'est qu'en fait c'est l'un des plus grands tilteurs de l'histoire chino. Il a 6250 de mémoire. Il est putain de haut, mais genre il choque de l'infini dans les cups officiels. C'est terrible. C'est con parce que avec 6250, le gars, il peut taper son petit, il peut atteindre le money round. Sur un bon draw quoi, c'est il y a du level mais choke de l'infini quand ça joue compète. C'est dommage. Il me fait penser à quelqu'un, c'est fou. Hein. Je vais te le mettre dans le boule. Ah non, vas-y, je veux bien une petite danse Cosbite d'un petit bonhomme là. On enchaîne direct. Parce qu'il y a eu 3-0 poteau. Hein. Bah ouais, bah trop de l'administration beaucoup trop qualitative, le lobby qui crée déjà pour le deuxième match, ouais. Qui sera donc DNS contre Soul Spirit, qui j'espère, enfin, s'il redisplay, Soul Spirit est un excellent joueur. Attends, je sais pas où il en est là à l'heure actuelle, mais c'était dans les 6002 de MMR, mais t'as DNS qui la culmine pas loin des 7000, 6008 il me semble aux dernières nouvelles. Ouais. Un homme monstrueux, maintenant, il s'est fait surprendre à la dernière saison en perdant contre Crypsel. C'est ça. Il s'est fait 3-0. Quand même. Ah, on en parlait à Valencia. Il fait non, mais bon, c'est bon. Moi, je me suis fait 3-0. Je ferme ma gueule. Hein. C'est vraiment comme ça. Bah ouais, du coup, voilà. Vérification. On fait un petit break. 5 minutes. Et on se retrouve juste après la pub. Du coup. Oh, attends. Oh, il est swag. Attends, c'est quoi, Cosby? On fait la même vanne que tout à l'heure, tu vois. Sauf que je lui mets une claque. Et après, je lui en mets une autre. Tu es OK? Vas-y. On essaye. T'es prêt? À toi, Yogo. Non, mais non. Non, c'est pas le bon côté, putain. Je peux tromper, gauche-droite, c'est croisé, c'est inversé. On aurait pu le ouais, faire du tennis. J'ai été nul. Allez, à plus. Vas-y, envoie-le-moi.